Looks like they have a plan. Special sort you. My, my, absorbing the souls of the undead. By the power of Ra! The Strange Brigade certainly have some strange tricks up their sleeve. Mummies and malevolent mechanisms. The Strange Brigade have their work cut out for them, ho-ho. An impossible obstacle. Sinister symbols and portentous pressure pads. What wondrous treasure lies beyond this obfuscating obstacle? A phantom pharaoh! A suspiciously sinister valley, leading to a mysterious mountain temple. A day at the races for the Strange Brigade. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Strange Brigade sur PlayStation 4, édité et développé par Rebellion, les fameux créateurs de Sniper Elite, sorti officiel le 28 août 2018 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Déjà, quelle belle vue, quel beau panorama que nous avons là. A savoir du coup qu'il a eu 14,5 sur 20 en note moyenne générale sur Game Rankings. Attendez-vous sur Strange Brigade, voilà, qu'est-ce que c'est? Un petit topo rapide, un graphe qui nous rappelle étrangement Uncharted avec des anciennes cités perdues où la nature reprend ses droits. Un gameplay à la Sniper Elite 4, voire même plutôt du Zombie Army Trilogy, parce que le jeu s'y prête beaucoup plus, comme vous pouvez le voir. Jouable solo ou jusqu'à 4 joueurs, je me suis mis en solo pour pouvoir mieux parcourir la map sans être gêné par d'autres personnes qui pourraient me faire progresser dans le scénar. Du coup, ça me permet de pouvoir vous expliquer en temps et en heure. Puis aussi, on y retrouve un petit peu de Left 4 Dead dans le style, quoi, en fait. On va d'un point A à un point B, on fait face à des vagues de zombies, et chaque personnage, donc du coup, parmi les 4 jouables, qui sont Nalangu Rushida, qui est une autochtone, qui a le pouvoir du feu, voilà, en fait, ils ont chacun un pouvoir particulier. Il y a Gracie Braithwaite, qui, elle, est plutôt adepte coup de poing, enfin, du bon rentre-dedans, bon garçon manqué, quoi. Monsieur le professeur Archimède de Quincy que je détiens actuellement. J'étais en train de chercher les flammes. Quand vous voyez des portes barricadées par les lianes, il faut toujours les brûler, ça nous débloque quelque chose. Pas mal d'énigmes dans ce jeu, vous allez voir. Et enfin, un autre personnage, et pas des moindres, Frank Fairburn. Fairburn, vous allez me dire, ça vous parle? Effectivement, Carl Fairburn n'étant d'autre que le héros de la saga Sniper Elite, je suppose que Frank doit être un ancêtre, vu l'époque du jeu. Voilà, un ancêtre de la lignée de Monsieur Carl Fairburn, protagoniste des Sniper Elite. Donc voilà, donc là mon but est du coup d'aller jusqu'au bout, mais bon, les missions sont vachement longues, attendez-vous à une moyenne de 1h15 à 1h30 pour chacune d'entre elles. J'ai fait la première, je sais de quoi je parle. Et ces petits pièges que j'active sont tout bonnement géniaux. Quand ils vont trop près, là, ils se font zigouiller, ça fait un dégât monumental. Donc voilà, 9 missions pour l'instant, j'ai pu apercevoir, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres, tout simplement. Et putain, ça arrive de partout. Le graphe est juste magnifique du jeu quand même. Moi, ça, je suis époustouflé par un jeu dont la com n'a pas été énorme et dont pourtant les qualités graphiques sont très hautes. Le gameplay est très très basique, L2 viser, R2 tirer, et croix esquiver, carré rechargé, rond votre pouvoir en bas, comme vous pouvez le voir ça brille, et triangle pour changer d'arme. Au moins ça arrive, c'est linéaire, vous attendez pas une énorme... vous attendez pas une énorme difficulté, mais bon, 3 modes de difficulté, facile, normal, difficile, mais en fait c'est surtout quand ils sont vraiment nombreux. Vraiment nombreux les ennemis, que là ça peut devenir vraiment une grosse menace. Ces petits chats que je bute, en fait ce sont des reliques à éclater, et dès qu'on en a un certain nombre, on peut vers la fin du jeu ouvrir une porte grâce à ces reliques qu'on a pu exploser et accéder à une grosse salle au trésor. C'est très très chasseur de trésors. L1 pour... j'avais peur, j'active un piège sans le vouloir. L1 pour jeter votre grenade que vous pouvez personnaliser d'avance, dynamite. Où est le trésor? Ah, il est là. C'est que de l'or. Dynamite, grenade collante, grenade basique, cocktail molotov comme j'ai.
C'est assez sympa. Et R1 qui est votre coup de corps à corps. Du coup, voilà, comme je disais, j'étais très étonné par un jeu dont il y avait... C'est censé ouvrir la... Ah ben voilà, censé ouvrir la porte, ce machin, je me demandais comment on pouvait y accéder. Donc voilà, par un jeu qui n'a pas eu beaucoup de com, et pourtant, franchement, il est pas dégueulasse, le jeu, franchement, enfin, ça... Il parle de lui-même, là, clairement, enfin, on le voit, hein, c'est vraiment sympa. Et puis, bon, pour y avoir joué, quand même, sur la première mission, avec juste un ami, donc... c'est vraiment bonheur. À plusieurs, c'est vraiment bonheur parce qu'il faut vous creuser les méninges, parce que des énigmes, autant des énigmes sont simples quand on a l'habitude des jeux par énigmes. Si vous avez fini les Uncharted par exemple, ce jeu ne vous posera aucun problème, clairement. Mais par contre, foutez ce jeu-là pour un gosse de la nouvelle génération qui est habitué que par les Call of, les FIFA et autres, qui va se dire putain, c'est un jeu avec des zombies et putain, un essaim. Alors, attendez, donc ça, il faut les buter. Et il faut buter 3 nids qui vont s'ouvrir. Tant que ces nids ne sont pas détruits, ces bestioles sont kamikazes et vous explosent à la gueule. Ah, dépêche-toi, le 3e nid. Putain, ça l'a pas touché, j'y crois pas. Voilà. Et là, ils deviennent, du coup, pacifiques. Donc voilà, ils ne vous font plus de dégâts. Comme je disais, foutez ce jeu dans les doigts d'un gamin qui n'est pas habitué à faire de l'énigme, etc., qui va le prendre parce qu'il se dit « Ouais, vas-y, il y a des zombies, ça doit être comme dans Call of et tout, moi j'adore péter du zombie. » Mais il va chier sa mère, hein. Il y a certaines énigmes, croyez-moi, que j'ai dû quand même y reprendre à deux fois. Et je sais que je suis pas au bout de mes surprises. Quand je vous dis que ce jeu a un léger côté aussi Left 4 Dead, c'est qu'il y aura certains ennemis qui seront plus EP que les autres. C'est-à-dire qu'ils auront des pouvoirs, il suffit que j'en parle. Cette momie-là, par exemple... Si je l'avais laissé agir, elle peut jeter des bandelettes dans le sol, quelques-unes de ces bandelettes au niveau de ses bras. Ça va dans le sol et ça ressort en guise de piquant en fait, et ça fait une sorte de sol porc épique qui vous éclate si vous esquivez pas à temps. Donc ça c'est l'un des pouvoirs entre autres. Mais il n'y a pas que ça, franchement, et puis apparemment tout au fur et à mesure la progression même du jeu. Eh bien, vous découvrirez des ennemis, que ce soit à la première, voire même les dernières missions du jeu. En gros, de la nouveauté, vous en aurez à l'appel et en continuité. Et ça, c'est un gros point positif aussi à noter. 14,5 sur 20, je trouve que, même moi personnellement, je trouve que c'est un jeu qui frôle plus le 15,5 voire 16 avec tout ce qu'il a proposé. C'est une très belle surprise et je ne m'y attendais clairement pas. Donc, de toute façon on continue, vous voyez qu'à chaque fois qu'un titre s'affiche en haut à gauche, c'est un nouveau lieu, avec peut-être des énigmes ici, des choses à découvrir. C'est pour ça que je fais des fois un petit peu le tour de la map, je regarde bien avec l'écran ce qui m'attend. Bon, on va activer le truc, parce que là, vous voyez, une porte avec un rubis rouge au-dessus, ben voilà, là elle va s'activer. Ce qui fait que là, je vais devoir faire face à de nombreuses vagues jusqu'à que le cristal n'émette plus de luminosité et que je puisse passer. Donc en gros, la suite se trouve ici, mais vous voyez, il y a plein de portes. Et à chaque porte se trouve peut-être une énigme ou un petit truc caché à faire. Et ça, c'est vraiment stylé. Brutal, 5,5. Il y a pas mal de dérision dans ce jeu. En fait, il y a un style assez comique. Le narrateur est vachement top. Franchement, on se laisse prendre au jeu. Pensez à activer les sous-titres car le jeu est full anglais. Si vous ne mettez pas les sous-titres dans le menu, le jeu ne le fera pas pour vous au début. Nota bene. Bon, après, le fusil à pompe, c'est pas une arme que j'ai l'habitude de jouer, mais bon, zombie oblige, pompe égale jouissance ultime. Vous voyez ce sol, c'est ce dont je vous parlais. Quand vous esquivez pas à temps, cette momie se charge de vous piquer le cul pour vous. Donc, un nouvel ennemi qui est ultra rapide. Les ghouls, très bien. Bon, ben on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est si rapide? Oh là, oui, mais oui, c'est rapide. Et ça se téléporte. Bon, heureusement que ça s'active. Enfin, heureusement que je l'ai touché avant. Oh, l'autre ghoul s'est fait déchiqueter par le piège. Bon, allez, on va se faire un petit plaisir là. Ah, le pouvoir là. Appuyez sur R2 pour reprendre les âmes que vous avez réussi à tuer pour pouvoir relancer votre sort, votre ulti. Oh, mais merde, il y avait une ghoul, votre ulti de suite. Donc ma vie descend quand même assez vite. Je suis en normal pour info.
J'ai une potion, on ne peut pas stacker plus de deux potions à la fois, donc à chaque fois que vous en retrouvez une au sol, buvez-la même si vous avez qu'un dixième de vie en moins. Et comme ça vous pourrez en stacker une nouvelle en étant 100% healé. Donc du coup voilà, en parlant des armes, n'importe quel joueur, personnage du jeu, peut prendre n'importe quelle arme en fait. Néanmoins... Oh, je l'ai gelé. Néanmoins, chaque pouvoir, comme moi ma nuée d'insectes là qui vient tuer les ennemis, il n'y a que le prof qui peut l'avoir. Donc voilà, c'est... Ça rend quand même certains personnages assez uniques en leur genre. Il faudra passer par là. Ah oui, il y a des caisses contre les sous que vous pouvez générer. En plus d'aller acheter des armes dans le menu, vous pouvez débloquer des armes ici. Et ça, c'est vachement top. Alors eux, c'est des espèces de gobelins au trésor comme dans Diablo. Vous les butez, ils ont de l'or sur eux. Mais c'est drôle, franchement, c'est plein de petits trucs qui font que quoi. C'est vraiment génial. Je trouve ça top. Bon, ça c'est un magazine. On va fouiller l'endroit un peu pour voir s'il n'y a pas des énigmes. Ah mais non, non non, j'y suis pas du tout allé là. Bit of a chin scratcher, eh? On va aller là-bas. Il y a des symboles au sol. C'est quoi ces têtes autour des symboles? Des têtes de lion, on dirait que c'est genre des erreurs, genre faut pas y aller quoi. Bon là il s'est rien passé. Si j'avance... Ouais, je vais avancer pour voir. Ok, bon ça ferme. Et là on peut recommencer. Donc... Non, ces têtes sont là, elles doivent servir à quelque chose de toute façon. Ça c'est un hibou, là il y a le scarabée. Ah mais il y a plusieurs fois le symbole. Oh putain, ça y est, j'ai compris. Vous voyez là, tout autour. En fait, là, le scarabée est là, je suis dessus. Mais... En gros, comme il y a une tête là, ça c'est pas bon tout ça. Ça pue, j'avais raison. Donc si j'avance devant, en gros il y a 9 cases. Et là, autour de moi en fait, j'ai 9 cases. Et donc là, je ne dois pas aller devant. Je vais aller à gauche parce que je suis arrivé d'en bas. Voilà. En face de moi, j'ai un hibou. Ouais, un hibou. Mais j'arrive du côté des ailes. Et par les ailes... Voilà, et je vais devoir passer par la tête du hibou pour continuer. Bon, du con. Ouh. Ouais, non, mais les énigmes de ce jeu sont monstrueuses, on est d'accord. Mais... Ouais, voilà, je vais arriver du côté gauche du scarabée. Mais après, certaines, franchement, filer ce jeu à un gosse qui est habitué qu'à des Call of ou des FIFA depuis qu'il fait du jeu vidéo, croyez-moi, il va chier sa mère. Hein. Donc là on est avec l'espèce de léopard guépard, là, tout ce que tu veux. On arrive par le bas, par son ventre, et je pourrais passer du côté de son cul ou au-dessus de sa tête. On va aller là. Et là j'arrive par le cul du guépard, ce qui est bon, et ensuite sa tête ou son ventre. Et je vais passer par son ventre. Voilà. Là il y a le hibou, mais il a la tête à l'envers, ce qui fait que j'arrive par là. Et je passe du côté de ses ailes. Oh là 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 là. C'est génial, franchement, mais ce jeu est monstrueux. Ce jeu est juste monstrueux. J'arrive par le ventre, ce qui fait que là, je peux passer par du côté de son cul. Et là, du coup, c'est bon. J'ai trouvé. Oh, c'est... Mais... Oh là 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 là. Mais tout... Il n'y a rien à dire, mais ce jeu est génial. Vous aimez les Left 4 Dead, le style à point A, point B, en squad ou solo. Et... Attendez, je marche juste là. Ok, bon, il n'y a rien qui se ferme, ça veut dire que j'y suis arrivé. Avec un gameplay à la Zombie Army Trilogy, avec des personnages qui ont chacun leurs compétences, mais Strange Brigade est fait pour vous. Mais clairement, c'est abusé, quoi. Plus je joue à ce jeu, et
plus... Non, mais franchement, plus il me fascine. C'est clairement mon style de jeu préféré, quoi. Le jeu point A, point B, c'est très con comme style de jeu, quoi. C'est tout bête, hein. C'est enfantin. Ça casse pas des briques, hein. Mais moi, c'est ce qui me fait kiffer, clairement. Ça, c'est une sortie. Les murs entre eux, là, généralement, ça, c'est des sorties. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire avant. Ce qui est logique. Si c'est la sortie, il faut faire quelque chose avant. Y rentrer, me direz-vous. Ah, putain, ferme ta gueule, quoi. Ah, des joyaux, encore et toujours. Justement, ça me permet de reparler des armes que peuvent jouer tous les joueurs. Vous pouvez aussi, dans le menu, ou quand vous trouvez même un inventaire au sol... J'avais bien entendu un chat. Un menu ou un inventaire au sol, vous pouvez... Ok, il est là-bas. Je vais y arriver. Vous pouvez du coup équiper ces fameuses pierres sur vos armes pour augmenter leur visée, leur stabilité. Une des pierres que j'ai mise dans mon fusil à pompe me permet de geler les ennemis, comme vous avez pu le voir. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui vous permettent d'avoir aussi des armes qui sont exclusives et propres à votre style de jeu. On va se dépêcher encore, je déteste les essaims. Mais il y avait un scorpion. Les scorpions sont très présents dans la première mission, là c'est la deuxième, Oh putain, arrêtez de vous mettre tous devant moi. Oh, mais il y en a trop, dépêche-toi! Yes. Non mais ces trucs, ces kamikazes, c'est dégueulasse. Ça vous nique toute votre vie, quoi. Obligé de se healer à chaque fois qu'on fait un essaim, limite, quoi. C'est abusé. Non, c'est dans ces moments-là qu'il faut jouer à plusieurs. À plusieurs, à ce moment-là, là ça gagne vraiment une certaine importance. Une certaine importance. J'ai pas déconné là. Oh putain, je pensais que je devenais fou. Je croyais que la tête m'avait regardé. Ou alors qu'elle avait pas bougé. Bah, logique, de toute façon, si elle se regarde, ça s'ouvre. Ça, c'est la logique des jeux vidéo. Putain, je pensais que j'étais devenu fou quoi. J'avais cru pendant un instant que la tête bougeait. Bah, effectivement, elle bougeait. Oh, le jeu me rend parano, ma parole quoi. Et je vous parlais de ces fameuses pierres que l'on pouvait mettre. Voilà. Donc quand vous trouvez en gros un arsenal sur le jeu, vous pouvez donc du coup changer d'arme même ou équiper en gros des pierres que vous pouvez trouver et qui se stackent. Attention, une pierre une fois mise dans votre arme est perdue à jamais. Si vous l'échangez, ben, celle que vous avez remplacée est perdue. Donc faites bien attention en les sélectionnant, du moins au début du jeu, parce qu'après ça va assez vite. On les trouve vraiment, vraiment facilement. Donc, munitions pleines, on va avancer. Yes, hop là. Une potion de shield, on ne dit pas non, on la prend. Voilà, on se sent plus en sécurité. Ok, les cibles se sont allumées. Oula, mais attendez. Ouais, j'ai très bien fait. 1. Donc, vous voyez là, le nombre de scarabées. 2. 3. Voilà, les scarabées dessinés. Non, là, il y en a 5. 4. 5. Et 6. Fallait taper dans un ordre. Qu'est-ce qui me serait arrivé si je m'étais chié? Ouah, je me suis dit, ça avait l'air un peu trop simple. Mais après, trop de cibles, je me dis, il y a un ordre. Il y a un ordre X rouge. Réfléchis 2 secondes. Et au final, il y en avait un. La prochaine porte, faut que je trouve une clé scarabée comme d'habitude pour accéder à la suite de l'histoire. Voilà l'arme que j'avais récupérée dans la caisse. Ça vous montre aussi un petit peu de gameplay à l'arme automatique. Je me dis qu'en même temps, ça peut... Ça fait pas de mal aussi de montrer tous les différents aspects que ce jeu puisse proposer. Après, je ne vais pas vous montrer la mission dans son ensemble. J'ai l'habitude de faire, en ce moment, j'essaye au moins de me cantonner à des gameplay découvertes de moins de 25 minutes, parce que sinon c'est un peu trop long. Du coup, voilà, je vais pas faire la mission en entière. Je vois que je dois être là, je dois à peine avoir dépassé... Ouais, je pense que j'ai dû quand même un petit peu dépasser, je dois être à 20 ou 21 minutes de record, je crois. Les puzzles, les fameux puzzles. Des puzzles à la baie au choc, vous allez voir. On va juste écarter nos chers amis.
qui eux ne sont pas si friendly que ça. Donc, ça part par là. Ce qui est logique, mais bon. Hop, voilà. Là au moins on en est sûr que. Oh, on était sûr que c'était par là. Il y a un temps de latence entre tous ces cubes là, c'est chiant. Non, ça passera pas. Et en bas. Oh. Ouais, en bas. Là. Et celui-là, et c'est bon. Yes, aïe. À moi le trésor. Ah, il y a la dalle en feu. Voilà, toujours esquiver. Je m'y suis pris déjà une première fois pendant la première mission. Il n'y aura pas de deuxième fois dans le reste du jeu. Voilà, après vous pouvez découvrir du coup des artefacts. Il y a beaucoup de collectibles en fait qui vous permettent de faire le jeu à 100%. C'est un jeu qui va vous demander une nette observation pour que vous puissiez vraiment faire un platine sur ce jeu. Donc la porte est ouverte et je pense que... Allez, je vais faire ça pour voir ce qui se passe là. Ça ouvre des portes. Oh, et ça ouvre des pièges. J'en ai buté un là derrière. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que là, je vous en ai... Dégage la goule. Je vous en ai un peu beaucoup montré. Je pense qu'on va se stopper ici, en espérant du coup que ce gameplay vous aura bien plu. Alors imaginez, je crois qu'il m'en reste encore une bonne moitié pour cette mission. Donc attendez-vous à un jeu avec une bonne durée de vie. Si ce style Left 4 Dead, Zombie Army Trilogy et Uncharted graphiquement ça vous plaît, eh bien foncez pour Strange Brigade à moins de 50 balles dans les magasins, bien moins cher sur internet. En espérant que ça vous a bien plu, je vous retrouve très bientôt pour un prochain test gameplay. Sur ce, portez-vous bien et à ciao tout le monde.